Bonjour, bonjour, je vais parler à Machan. Vite fait, on va avancer un peu. Voilà. Bonjour les Camerounais, je veux m'adresser au couple Jean-Luc Messon. Bonjour à vous tous. Bonjour, bonjour à tous ceux qui viendront regarder cette vidéo. Je veux m'adresser au couple Jean-Luc Messon. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui ont ce qu'on appelle l'électricité en eux. Et quand on parle d'électricité, ça veut dire on peut envoyer ce qu'on appelle l'éclairage. L'éclairage, c'est ce qu'on appelle une sorte de lumière qui brille en nous. Mais on ne sait pas. Il y a certains gens qui ne connaissent pas la valeur de la lumière et qui cherchent toujours encore à voir de la lumière de l'autre. Avoir l'éclairage, ils se disent qu'ils sont dans le noir. Le couple Messon. J'ai vu une dame qui est sortie sur la toile, qui était avec vous. Pourquoi cette dame, elle est venue vers vous? Elle est venue vers vous parce que vous avez déjà une sorte de l'éclairage qui brillait, qu'elle a été attirée par vous. Elle vous a côtoyé. Vous avez travaillé ensemble. Sauf qu'il y a certains gens qui peuvent avoir de l'argent et ne pas avoir l'éclairage. Et qui, quand ils viennent vers vous, ils sont là pour espionner et pour regarder comment vous êtes en train de vivre, comment vous menez vos vies. Mais ils se disent que ce sont des riches. Ce sont des milliardaires. Mais ils n'ont pas ce qu'on appelle l'éclairage. Il y a des gens qui peuvent avoir l'éclairage et être dans ce qu'on appelle pauvres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui brillent, mais qui sont simples. Mais ces brillantines qui en eux, il y a les gens qui les envient, qui envient ces brillantines-là et qui viennent vers eux et qui montrent qu'ils ont de l'argent parce qu'ils veulent vous faire comprendre que oui, vous brillez, mais moi j'ai de l'argent, je brille avec de l'argent. Monsieur le couple Messon, vous avez fait entrer une dame chez vous, soi-disant qui vend des produits de beauté, qui vend des glutations. Elle est venue, elle vous a côtoyé. Aujourd'hui, quand on voit la sortie de cette dame sur la toile, ça veut dire elle n'a jamais été là pour vous, mais elle enviait ce que vous êtes étant provologue. Elle enviait cette lumière qui était en vous, mais elle est obligée de montrer qu'elle avait l'argent pour briller au même niveau que vous. Est-ce que vous comprenez le couple Messon? Mais donc, elle est entrée dans vous. Elle est entrée dans votre vie. Vous l'avez acceptée. Vous l'avez ouvert la porte. C'est comme ça que elle vient sur la toile décrit votre quotidien. Elle vient sur la toile avec tout l'argent qu'elle a. Elle n'est pas tranquille. Parce que cet éclairage que vous avez, elle n'en a pas. Cette lumière qui fait de vous le couple Messon, elle n'en a pas. C'est pour ça qu'elle a l'habitude de sortir. Elle veut toujours parler de l'argent. Elle veut l'empathie des Camerounais qui sont très faibles de l'esprit pour les faire comprendre que oui, je fais ça à la maison, je fais ceci à la maison, ils n'ont pas l'argent, c'est moi qui ai toujours payé. Elle veut briller parce qu'on appelle l'argent. Elle veut faire comprendre à des Camerounais que j'ai. Mais le couple Messon n'en ont pas. Mais le couple Messon ont ce que vous n'avez pas, Madame Glutation. Aujourd'hui, vous êtes parti prendre compresseur. On dit souvent dans la vie, hein, méfiez-vous des gens qui entrent chez vous. Il y a l'apparence qui trompe beaucoup de gens. L'apparence trompe beaucoup de gens. Voilà pourquoi il y a certains gens qui ont une facette, quand ils viennent vers vous, ils vous montrent de l'argent. Méfiez-vous de ces gens-là. Méfiez-vous des gens qui vient vers vous, qui veut vous montrer que j'ai, je peux vous faire ça, pour vous faire ça. C'est parce que ces gens sont, ça veut dire que, ça veut dire que ces gens vous envient. Mais comme ils envient votre éclairage, ils ont besoin de mettre l'argent devant pour vous écraser et vous faire comprendre que ton éclairage n'est rien, ta lumière n'est rien. Moi, j'ai de l'argent, mais toi, tu n'en as pas. Aujourd'hui, cette dame, elle est sur la toile pour parler que de l'argent, de l'argent, de l'argent. Mais qu'est-ce qu'elle cherche? Depuis qu'elle a compris que
l'éclairage de Monsieur Messin, le don des abonnés, l'éclairage de ce qui veut dire que la lumière de Monsieur Messin voilà fait un nom dans le monde des réseaux sociaux. Ça veut dire que Madame Glutathione, ton argent que tu as ne vaut rien par rapport à Monsieur Messin qui est pauvre mais qui a une lumière qui attire des individus comme vous dans sa vie pour après venir détruire son quotidien. Oui, c'est ça la vie. Il y a des individus qui peuvent venir entrer dans votre vie, qui fait semblant d'être avec vous alors qu'ils sont là, ils vous envient. Alors que vous êtes pauvre, elle est là. Toi, tu donnes le respect même à cette personne parce que la personne te dit qu'elle vit bien, elle a tout. Mais toi que tu es pauvre, tu as une sorte de lumière en toi qui fait que les humains vous respectent. Les gens vous donnent ce qu'on appelle une place parmi des humains. Mais il y a certains humains, quand ils arrivent, quand ils n'ont pas de place parmi des humains, avec tous leurs agents, ils cherchent ceux qui ont déjà la place. Ils cherchent déjà ceux qui ont la lumière pour se gratter parce qu'ils sont dans le noir. Même avec l'argent, ils sont dans le noir. Donc, Monsieur Messin, ne vous sous-estimez pas de l'éclairage que vous avez. Ne sous-estimez pas le nom que vous avez déjà forgé, toi et ta femme. Ne sous-estime jamais tes valeurs. Parce que tu as une grande valeur. Que toi-même, tu ne sais pas ta valeur. Certes, tu as ce qu'on appelle l'immaturité de ce qu'on appelle au Cameroun. C'est toutes les personnes âgées au Cameroun. Ils sont immatures. Oui, on voit nos ministres. On voit comment les personnes âgées au Cameroun, ils sont au pouvoir, ils ne vont pas quitter. Parce que dans leur cerveau, là, le temps, pour eux, le temps s'est arrêté. Ils ne savent pas que nous avançons déjà dans le futur. Donc pour toi, Monsieur Messin, je peux dire que le temps s'est arrêté. Dans ton esprit, tu es encore jeune. Comme ce qu'on voit au Cameroun, nos ministres ne voluent pas le Cameroun, ne construisent pas le Cameroun parce que pour eux, ils sont encore dans l'esprit des années 60. Vous allez voir comment dans 90% de nos ministres sont des gens depuis 1900, ouais, la technologie, ils ne sont pas là-dedans. Donc, construire le Cameroun pour eux, ils ne voient pas l'évolution du monde. Donc, Monsieur Messin, je peux dire que pour toi, le temps s'est arrêté. Et Monsieur Messin, l'éclairage que vous avez là nuit beaucoup de gens. Il faut que vous appreniez à accepter cette lumière que vous avez. N'enviez pas ceux qui ont déjà une sorte de soi-disant un autre éclairage alors que vous avez une sorte d'électricité en vous qui renvoie un éclairage que les gens vous aiment tel que vous êtes. C'est ça qui fait qu'il y a certains gens qui dérangent, il y a certains gens qui viennent vers vous parce que vous êtes ce qu'on appelle ouverture. Vous laissez entrer des gens parce qu'ils ont, ils parlent de l'argent. Regardez votre guerre avec Monsieur Amout, Monsieur Messin. On va parler des concepts de couple. Monsieur Amout est un couple flamboyant. Ça veut dire que c'est un couple qui aime montrer qu'il verse de l'argent. C'est un couple flamboyant. Ça veut dire que c'est un couple qui montre de l'argent. Qui montre comment il dépense pour être existant. C'est la manière de faire l'éclairage. Et c'est des fois, et vous, Madame Amout et ta femme sont différents. Jaguar a l'habitude de faire de bruit, de danser sur TikTok pour être existence. Mais par contre, ta femme, Jean-Louis Messin, elle a une calme absolue qui pousse les femmes à l'aimer telle comme elle est. Votre concept est différent. Il ne faut pas que tu aies envie à Maud alors que vous êtes dans le concept de couple. Mais vous avez des différents éclairages. Il faut que vous respectez la lumière que vous avez, Monsieur Messin. Amout, c'est quelqu'un qui flambe l'argent. C'est quelqu'un qui montre qu'il a l'argent pour être existence. C'est ça qui fait son éclairage. Mais toi, Monsieur Messin, c'est ton bruit. Et la manière que ta femme est posée et calme qui fait de vous un autre éclairage que certaines femmes voient en vous. Une femme voit votre femme, une femme très respectueuse, très posée, qui ne viendra jamais prendre un téléphone depuis des années,
qui est insulté sur Facebook ne prend jamais le téléphone pour répondre aux gens, pour parler aux gens. Jamais. Pareil que Jaguar. Elle a une manière de faire sa part d'électricité en elle pour que son éclairage soit lumineuse. Hein? Et vous, messieurs, messieurs, ta femme a une manière de faire son éclairage pour qu'elle est toujours lumineuse et pour que les gens l'aiment. Pourquoi voulez-vous toujours vous comparer avec les Amotes? Vous avez déjà votre éclairage à vous. Regardez cette dame qui est venue vers vous, monsieur Messan. Cette dame, quand on la voit parler sur Facebook, l'apparence sur Facebook trompe beaucoup de gens. Nous avons développé cet aspect de l'argent. L'argent ne fait pas tout. Il y a des gens qui sont pauvres, mais on les respecte avec leur pauvreté. Vous pouvez tout dire de ce qu'on me s'en fait, mais c'est un concept de couple. À toutes les femmes qui sont en couple, je vous demande un soutien total au couple Messan. Parce que ce sont des fois des femmes qui n'ont pas un foyer solide, qui envient certains foyers, même dans leur pauvreté. Vous savez comment, quand j'étais petite, parce que la dame, elle a parlé beaucoup de choses dans son direct, en disant que Madame Messan, pas à pied pour faire les courses à Lidl. Je suis véhiculée. Les gens savent sur Facebook que des fois je m'en vais au travail avec la voiture. Mais j'apprécie le vent qui frappe sur mon visage. J'apprécie de marcher parce que ça me fait dépenser des énergies. À certains âges, il faut marcher parce que bientôt j'aurai 50 ans. Donc, j'essaie de marcher pour diminuer un peu la graisse. Donc, ce n'est pas parce qu'on est véhiculé qu'on est, comment on appelle ça? On est arrivé. Les Camerounais ont une complexe, une diminution de réfléchir. Moi, quand j'étais petit, avant qu'il n'existe les bains sikines, les parents faisaient comment au Cameroun? On marchait à pied pour aller faire les courses et ça nous faisait du bien. On marchait à pied. J'ai quitté, comment on appelle ça? J'ai quitté Carrefour Sénégalais, Nobel. J'ai quitté Ngangé. Je vous dis, j'ai quitté Ngangé. J'ai marché à pied jusqu'à Marché Central. J'étais petit dans les 14 ans. Il n'y avait pas encore les basiquines. Il y avait les taxis. Si tu ne voulais pas prendre les taxis, tu marchais à pied. Et ça nous permettait d'avoir des copines le long de notre marche. Parce que tu quittes Ngangé jusqu'à Marché Central, tu vas arriver à Katchebana. Tu arrives à Katchebana. Et tu es une petite fille comme moi. Quand on m'envoie peut-être faire le... aller faire les, acheter les choses au marché central. J'arrive à Katchebana. Je vois les enfants qui jouent. Ce qui me poussait à avoir des amis pendant mon parcours de marche jusqu'à marché central, de retour. Et je pouvais prendre des différentes routes. Je pouvais passer peut-être par pharmacie de Nobel. Ou bien je pouvais prendre la route. Ou bien je prenais les mapan jusqu'à Ngangé. Il n'y avait pas de véhicule. Pourquoi votre cette complexe de fait dire aux gens, Madame Messan n'a pas de permis, elle est poussée la poussette. Mais est-ce que ça lui dérange de faire les courses? Elle est humaine comme tout le monde. Elle est humaine comme tout le monde. Il y a quelque chose qui la rend différemment de vous. Il y a quelque chose qui est différent de vous. Madame Messan, elle est comme tous les humains. Elle peut aller faire les courses à Lidl. Elle peut marcher, elle tire son caddie, elle fait les courses comme lumière, sauf qu'elle a une autre petite plus qui est chaud, que vous n'avez pas, l'éclairage, qui veut dire l'intercelle que certaines personnes n'en ont pas. Et cet intercelle-là, il y a certains gens qui viennent vers vous parce qu'ils trouvent que vous avez une sorte d'éclairage. Eux, ils sont dans le noir, ils se rapprochent vers vous pour éviter le noir. Et quand ils sont déjà vers vous, ils ont goûté votre lumière. Ils se disent que cette lumière-là, dans moi-même, je peux aller créer les mêmes éclairages. Mais sauf qu'on n'a pas les mêmes watts. On n'a pas les mêmes watts de lumière. On n'a pas les mêmes kilowatts. Il y a certains gens qui peuvent venir sur vous. Ils cherchent à gratter votre lumière. Ils cherchent à gratter votre lumière. Il trouve que ton électricité là, donc tu as fait comme ça, tu as monté le fil comme ça, pour que ta lumière là reste allumée 24 sur 24.
Parce qu'il y a certains, endroits. Pourquoi vous allez voir au Cameroun, ils ne recoupent la lumière. Il y a des gens, il y a des quartiers qui sont dans le noir. Il y a des quartiers qui sont éclairés. Et que si M. Messa et sa femme ont réussi à avoir une sorte d'électricité qui fait de façon qu'ils n'ont pas le noir total dans les vies, il y a des individus qui viendront gratter cette lumière-là. Et quand ils entrent dans la vie de M. Messa, ils cherchent à savoir comment il a monté le fil, comment il a fait l'électricité pour que il y a l'éclairage chez lui, pour qu'il a l'éclairage 24 sur 24, que partout il part, on voit que voilà M. Messa, voilà le couple Messa. Mais vous allez voir les individus, quand il quitte alors maintenant, il va chez lui, il cherche à monter sa part de fil pour avoir le même éclairage que M. Messa, mais il ne sait pas comment M. Messa a fait le montage de fil, a fait son électricité pour qu'il soit toujours allumé. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher à tout prix vous faire comprendre que là-bas où vous voyez la lumière là, c'est pas la lumière, hein? C'est le noir. Elle vous montre alors que moi je suis allée là-bas, j'ai regardé comment on a monté le fil là, le fil était comme ça, le fil était comme ça. Elle vient parler de monsieur Messa. Voilà les gens qui viennent sur Facebook qui vous dit qu'ils sont des chefs d'entreprise, des parvenus, des parvenus. Toi, Madame Gutassium, tu as ce qu'on appelle une femme, soi-disant, qui représente tes produits. Compresseur représente tes produits. On croyait que toi, tu venais dans la vie de Compresseur pour la soulever. Mais on se rend compte que toi, tu viens dans la vie de Compresseur pour détruire Compresseur. Parce que ton éclairage, c'est ce qu'on appelle quoi? Jalousie. Parce qu'on essaie de faire sortir Compresseur dans la haine. Toi, tu dis que tu as donné ce qu'on appelle un contrat à Compresseur. Un contrat, ton contrat, ça s'appelle quoi? Destruction. De le peu que les gens qui estimaient Compresseur de la voix en haut, toi, avec ton agent, soit disant que tu as l'agent, tu entres dans la vie de Compresseur. Tu veux détruire Compresseur parce que tu envies l'éclairage de M. Messa. Et tu veux montrer tes fils. En voulant monter tes fils pour briller comme le couple Messa, tu ne sais pas comment le couple Messa a fait de façon qu'ils ont toujours l'éclairage en eux. Tu les as côtoyés. Ils sont tous humains. Nous sommes tous humains. Je suis quelqu'un qui est véhiculé. Je suis quelqu'un qui a une voiture, mais je marche à pied. Quand on était petit là, vous savez comment la marche à pied là me fait rencontrer les gens? Quand on est véhiculé là, on est coupé des humains. Que je vous dis, madame. La voiture, c'est juste un outil qui nous permet à se déplacer rapidement. Mais certains gens préfèrent marcher. Parce que quand tu marches, tu as le regard partout. Il y a des choses que tu ne vois pas, que quand tu es dans la voiture, tu ne vois pas. Tu te dis, ah, ça a toujours été ici là, alors que ça fait peut-être 10 ans que tu passes ici. Tu n'as jamais, tu n'as pas eu ce qu'on appelle le regard comme il faut. Parce que tu dois être prudent, parce que tu es dans la voiture. Madame, vous enviez l'éclairage de M. Messa. Même avec l'argent que vous avez, vous cherchez à voir cette lumière en vous, que vous êtes venu sur Facebook. Depuis votre sortie, c'est de parler de M. Messa et sa femme pour avoir l'attirance des humains vers vous. Parce que en parlant de M. Messa, vous avez la lumière là. Parce que la lumière que vous êtes partie tester chez M. Messa, l'éclairage est là. Tu ne sais pas comment M. Messa et sa femme ont monté le fil pour que les lumières restent allumées 24 sur 24. Toi, pour parler, tu veux monter ta part d'électricité, mais tu parles de l'argent. Tu l'es en train de faire, comment on appelle ça? Tu l'es humilié en les faisant qu'ils sont pauvres, qu'ils n'ont pas l'argent. Mais dans la pauvreté, là, pourquoi tout le temps tu parles d'eux? Tu essaies de te faire de nom. Avec le nom de M. Messa. Tu es une chef d'entreprise, mais vous êtes tous des parvenus. Regarde-toi que les TKC ont tout fait que Compresseur sort de l'autre. Elle est partie signer un contrat diabolique. Un contrat qu'on croyait que, oui, Compresseur,
elle est ce qu'on appelle une figure d'une marque. Mais la figure de quelle marque? Une marque d'une personne qui n'existe pas, une marque qui ne s'assume pas, une marque qui cherche à avoir le nom derrière quelqu'un. Tu dis que tu es quelqu'un, madame. Tu dis que tu as déjà une marque. Mais pourquoi tu envies l'éclairage de monsieur Messan? Chaque fois que tu sors, tu ne parles pas de tes produits. Chaque fois que tu sors, c'est pour parler de monsieur Messan. Ah oui, oui, oui. Monsieur Messan, arrêtez de vous sous-estimer. Monsieur Messan, respectez la lumière que vous avez. Parce qu'il y a des milliardaires, soi-disant milliardaires Monopoly, qui viennent vers vous. Et après, ils passent à soi. Ils passent à soi pour dire qu'ils sont des milliardaires. Alors qu'ils sont venus, c'est parce qu'ils étaient attirés par cette lumière que vous avez, monsieur Messan. Ils entrent chez vous. Ils décortiquent votre quotidien. Et pour venir s'asseoir, il dit qu'il n'a pas l'argent. J'ai payé ça, j'ai payé ça. Pourquoi alors? Si tu sais qu'il n'a pas l'argent, chaque fois que tu parles, c'est venir dire comment tu as dépensé sur le couple Messan. Inglutation bracata. Chaque fois que tu sors, c'est pour venir dire ce que tu as fait sur monsieur Messan. Hein? Monsieur Messan, respecte la lumière que tu as forgée là. Tu as pris le temps de monter ton électricité pour que ça soit toujours lumineuse. Il y a des gens qui sont dans le noir. Et quand ils viennent vers vous, ils touchent la lumière que vous avez là. Ils se disent, oh, c'est bien d'être dans la lumière. La lumière, c'est bien. Mais ça dépend de chacun de vous de monter son fil. Que sa lumière reste 24 sur 24 allumée. Voilà pourquoi les Camerounais se plaignent de Neo. Parce qu'il y a des quartiers qui sont dans le noir et il y a ceux qui sont éclairés. Parce que l'éclairage n'est pas donné à tout le monde. De développer l'éclairage, là, ce n'est pas donné. Il y a certains gens sur Facebook. Pour être éclairés, ils sont obligés d'être avec des hommes qui ne sont pas hommes dans leur vie. Ça veut dire que elles sentent qu'elles-mêmes, elles n'ont pas une potentiel de créer une lumière qui va rester allumée. Elles se collent à des hommes que toi-même, la femme, tu te demandes que, ouais, la femme, s'y fait quoi avec l'homme-là? Elle s'est dit que, oui, avec l'homme-là, je vais le gratter un peu et je serai éclairée. Après, elle se met sur Facebook, j'ai des vues, que j'ai d'éclairage. Parce que tu n'arrives pas à développer la lumière en toi, tu t'assois vraiment, compresseur, tu n'as pas la chance. Hein? Tu n'as pas la chance dans la vie. Quand vous faites la haine dans la vie, il n'y a que la haine qui va vous suivre. Quand vous détruisez les gens, quelques années plus tard, vous développez ce qu'on appelle des vues là. Les vues là ne vous apportera rien. Il vous apportera que des gens qui sont des destructeurs. Parce que vos abonnés là, ce sont des abonnés diaboliques. Donc il vous amènera que des gens qui sont diaboliques dans votre vie, qui vont faire semblant de vous porter. Mais à la fin, on va voir que merde, c'est le diable qui est habillé en Prada. Le diable habillé en Prada, comprends ça. Moi, à ta place, j'arrête de représenter cette femme. Elle est en train de faire de façon que... Elle montre que les vues créées sur Facebook par la haine, par la destruction, après pour dire que tu es star, ces vues que vous fabriquez là, vous amènera que des gens qui sont de la merde totale. Comprends-toi vraiment, j'ai pitié de toi. Hein? J'ai pitié de toi parce que tu manges... cet argent-là, vraiment, tu n'es pas une marque, tu ne représentes aucune marque. Parce que elle, c'est un contrat, ce n'est pas ce qu'on appelle le CD, un contrat déterminé. C'est le CDD. Ça veut dire, tu ne peux plus représenter une autre marque en dehors de cette dame. Elle ne va pas rester avec toi longtemps. Parce qu'elle sait que tu n'es pas vendable. Et pour vendre ses produits, elle est obligée de gratter l'éclairage de monsieur Messan. Pour parler de ce produit, pour attirer les gens. Parce qu'elle se rend compte que tu n'es pas utile, compresseur. Elle se rend compte, en tant que l'ambassadrice de ces marques, elle se rend compte que tu n'es pas utile. Qu'est-ce que c'est? Elle devient blogueuse, comme toi. Tu fabriques une autre compresseur comme toi. Elle devient blogueuse, donc elle ne représente plus ta marque. Donc ta patronne, la compresseur, et c'est que tu ne vaux rien. Elle devient clasheuse pour vendre ses produits. Voilà quand les gens vous dépassent. Portez les sacs. Elle est partie sur monsieur Messan. Elle est allée côtoyer les gens. Elle a vu monsieur Messan de loin. Elle a vu la lumière dans ce couple-là.
Hein? Dans ce... La lumière de monsieur Messan qui brillait, elle est allée là-bas. Elle est entrée là-bas. Depuis qu'elle est sortie, est-ce que vous avez vu madame Messan parler? Est-ce que depuis qu'elle est sortie, vous avez vu le couple Messan faire allusion à elle? On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Tu peux venir chez moi. Tu me montres quelque chose. Parce que moi, j'ai la lumière. Mais je dis, ah, donc avec ma lumière, je peux aussi profiter et faire donner ça aux humains. Pourquoi tu as envie la lumière de monsieur Messan, madame? Voilà ce qu'on appelle que quand vous avez un boss qui est dans le clash de Facebook, démissionnez rapidement. Le boss est celui qui a les emplois. Le boss est celui qui te donne des conseils. Elle fait semblant d'entrer dans les directs pour dire compresseur sort, compresseur sort. Depuis toi, madame Glutation, depuis, dans chacun de tes sorties, tu lances les pics au couple Messan. Non, madame, vous êtes quel genre de boss? Moi qui travaille là, je suis pauvre, mais je m'aime. Je suis ce qu'on appelle l'orgueil, je m'aime. Vous êtes quel genre de boss? Après, vous allez voir les blogueurs qui vont faire de ça un sujet, mais ne voient pas la profondeur de ce problème. Ça veut dire, quand vous vous fabriquez, il n'y a que de la merde qui vient vers vous. Compresseur, depuis ton arrivée sur Facebook, tu n'arrives pas à sortir de l'eau. Il y a un problème. Tu as des abonnés. Tu as ce qu'on appelle les milliardaires, soi-disant, qui sont dans le noir. Pourquoi ils n'arrivent pas à te faire ayop, ayop, ayop? Et celle qui veut te faire ayop, ayop, c'est elle qui vient encore finir. Hé, hey, maman, c'est elle qui vient maintenant faire quoi? C'est elle qui vient montrer que vous, la jeunesse camerounaise, qui courait dans les vues, en venant détruire les gens, en venant détruire l'argent, le futur, ça serait ce que vous avez vu chez Compressor. Que les abonnés que vous avez là, en ayant dans la haine, en détruisant les familles, étant dans les clashs, le futur serait ce que vous avez vu avec Compressor. Ne prenez jamais. Voilà une qui a la télé depuis. Pour finir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de maintenir le clash pour que sa télé marche. Voilà, quand vous venez sur Facebook, donnez l'intelligence que vos parents vous ont donnée, l'éducation, la base que vos parents vous ont donnée. Moi, je suis sur Facebook depuis. Hein. Je ne force pas l'éclairage parce que je sais que je suis née avec une petite intercelle. C'est à moi de faire de façon que mon électricité devienne forte et que j'ai un éclairage, mais de manière positive et que ça prend du temps. Mais quand vous êtes dans la rapidité, de ne pas chercher à savoir quel fil que vous avez monté pour que cette lumière reste allumée 24 sur 24, ça finit comme compresseur. Compresseur, tu vois, la TK s'est fait tout et tout. Pour venir, tu sais pourquoi Flo de Lille va toujours avancer, tu serais derrière. Parce que Flo de Lille est venue sur Facebook avec ce qu'on appelle l'intelligence des gens du village. Mais toi, tu es venu sur Facebook étant dans la haine. Tu t'es bâti derrière Fleur de Lille. Regarde ce qu'elle t'a fait. Elle t'a ramené. Tu ne peux pas insulter la mère d'une fille jusqu'à elle te pardonne jamais. Elle t'a ramené chez elle. Elle a fait quoi? Elle t'a pris doucement, doucement, doucement. Après, elle t'a fermé comme ça. Tu es devenu l'esclave de Fleur de Lille. Et c'est ce qu'elle voulait. Tu vas payer les insultes depuis des années sur maman Anna. Tu croyais que ces filles, moi, ma mère, tu insultes ma mère, que tu t'es assis jusqu'à créer un team uniquement pour ma vie et détruire ma mère qui m'a porté au ventre. Je vais te pardonner? Jamais. J'utilise une autre tactique. Je te ramène un peu, un peu. Je te prends, après je t'écrase comme ça. Là, ouah! Tu es devenu le Tchinda de celle qui t'a fabriqué. Tu es devenu le Tchinda jusqu'à les gens croient que tu peux sortir de l'eau. Regarde même celle qu'on croit qu'elle pouvait te donner un nom sur Facebook. C'est elle qui est devenue la plus haineuse des haineuses, comme toi-même, compresseur. Je finis pour dire, monsieur Messan, respectez l'éclairage que vous avez. Tu as une manière de faire pour qu'on parle de vous.
Ta femme, on respecte ta femme par son silence. La même chose, un mot, est-ce qu'on appelle flamboyeur? C'est quelqu'un qui fait la talakou avec l'argent, de façon qu'on parle de lui. Vous êtes des couples, un conseil de couple dans la diaspora. Il y a tellement de gens qui vous ont tellement envié. Il y a le couple terriblement marié. Il y avait le couple terriblement. Il y a ceux de l'Allemagne qui suivent vos conseils. Mais ce n'est pas donné, monsieur Messan. Dès tout ce que tu es. Après Amot, on peut dire que toi et Amot, vous êtes au même niveau. Ce n'est pas question d'argent. Vous êtes au même niveau. Maman, j'ai un pouce. Vous êtes au même niveau. Toi et Amot, vous êtes au même niveau. Mais c'est parce que tu ne connais pas ta valeur, monsieur Messan. Et avoir un conseil de couple qui pousse les gens à mettre les femmes en valeur, ce n'est pas donné. Amot a une manière de faire. C'est parler de l'argent. C'est faire le boucan. C'est ta femme qui fait ton couple. Elle est tellement silencieuse. Toi, tu as ta manière de faire. C'est de faire le bruit à ta manière qui a fait de vous le couple Messan. Et alors, on cherchera toujours. Les gens viendront toujours se fabriquer derrière vous. Monsieur Messan, tout le monde fait le Kongosa. C'est comme ça. C'est les Camerounais, c'est l'Afrique. On n'a pas besoin d'avoir ce qu'on appelle des psychologues pour vider ce qu'on avait dans le fond. Les Africains ne voient pas les psychologues. Notre psychologue, les sciences de ce qu'on appelle d'aller voir de ce qu'on appelle quoi là. Consulter les psychologues, ce sont des Camerounais. C'est mon frère, c'est toi. Quand je t'appelle au téléphone, je vide tout. Je vide. C'est comme ça que j'ai fait ma science avec vous. Tu as fait ta science avec chez l'abbé Sam. Tu as vidé ce que tu avais dans le ventre. Pourquoi ça dérange les gens qu'on dit que les Camerounais, la plupart des... Ceux qui sont dans la dépression, ce sont des gens qui gardent beaucoup. Quand vous voyez une Camerounaise qui déprime en France, la plupart des temps, c'est parce qu'elle a, à la base, elle est timide. Elle a du mal à aller vers les gens. Mais quand vous êtes quelqu'un de ouverte, vous faites vos sciences de la psychologie chez vos frères. Vous parlez ce que vous ressentez. Après, tu t'assois, tu te sens. Qui ne fait pas la science, les sciences de comment on appelle ça de, oh là, de, comment on appelle ça, aller voir quelqu'un. Comment on dit, les gens qui, quand tu peux voir quelqu'un, quand tu as, il y a des docteurs pour ça. Comment on appelle ça? Oh. Les sciences des psychologues là, nous on les fait ça entre nous, nous. Oui, quand ma fille a eu le problème à l'école, quand on a pris une séance de psychologue, tu sais, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as dit à ta médecin? Elle est partie, elle passe à soi chez le psychologue, elle raconte sa journée, elle dit que ma mère travaille, et on lui demande qu'est-ce que tu fais. Donc ça veut dire qu'elle passe à soi. La thérapie, merci. La thérapie là, on le fait entre nous. Pourquoi envier M. Messan qui est parti faire sa thérapie chez l'abbé Sam? Vous ne faites pas vos thérapies entre vous, vous. Moi, je vous ai dit, ma fille avait des problèmes à l'école. On a pris un psychologue. Quand je lui ai demandé ce qu'elle disait, elle raconte sa journée jusqu'à... Elle me dit que maman, j'ai tellement parlé que la dame était fatiguée. J'ai dit que tu parlais quoi? Elle dit que j'ai parlé, j'ai dit que oui, et qu'est-ce que tu aimes? J'ai même parlé de ton travail et tout. Donc ma fille est partie s'asseoir, elle a parlé. C'est ça notre science de psychologue sur le Congo, ça. C'est ce que vous faites dans les... Pourquoi ça vous dérange que monsieur Messan a fait sa thérapie? Vous condamnez quelqu'un qui est parti faire sa thérapie? Qui ne fait pas la thérapie? Nous ne payons pas la thérapie chez les Blancs. On les verse ça sur vous. Tu viens chez moi, tu verses ce que tu as envie. Ça sort comme ça sort. Après, tu t'assois, ça fait du bien. Si quelqu'un vient verser la science que j'ai fait avec lui, on condamne qui? On condamne celui qui est venu faire ce qu'on appelle secret médical. On condamne celui qui est venu faire ce qu'on appelle secret médical. Le Congo, ça, c'est ce qu'on appelle secret médical. Pourquoi vous n'arrivez pas à être dans ce... Pourquoi vous ne connaissez pas ce que veut dire secret médical?
Le Congo, ça, c'est une thérapie. Ça veut dire que tu peux voir ton psychologue, tu parles, tu parles. Quand tu viens verser, ça veut dire que tu n'es pas un médecin compo. La prochaine fois, une autre personne viendra te faire une thérapie. Parce que la thérapie est comme un direct. La thérapie est comme direct, ma ministre. Hein? La thérapie nous fait du bien. On n'a pas besoin de payer ça chez les Blancs. On appelle au téléphone. On parle, on parle. Pourquoi tu viens verser ce qu'on appelle secret médical? Chez nous, on dit que ça reste dans ton ventre. Ce que je te dis là, ça reste dans ton ventre. Quand tu viens verser ça, qui viendra encore te parler? Hein? Et je vois celle-là, on va voir les gens qui vont conseiller. Compression, un contrat. Quel genre de contrat, maman? Le contrat de compression, là, maman, c'est le poison. Compression, tu n'as pas la chance, hein? Parce que tu es une qui devait être à Yopa, 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 Yopa. Tu as commencé à être la maman des orphelins. Jusqu'à, on t'a fumé à la télé. On t'a fumé à la télé. Même comme ça. Hein? Les Camerounais t'ont porté. Tu devais être une qui a une grande association. Pas tes abonnés, soi-disant que vous avez des abonnés. Vous avez des gens qui vous portent. Mais quand tu insultes une mère et que sa fille te regarde, elle fait comme chez Bamileke, elle fait comme ça là. Tu insultes une fille. Tu viens insulter sa mère. Elle fait ça. Okoyi, tu vas voir. Tu vas voir. Elle avance naïo, naïo. À sa soirée, tu voulais qu'elle te valorise que tu es qui? À sa soirée, elle t'a mis au Shabbat. Pour te dire que tu resteras au Shabbat. C'est toi qui viens faire la tabacou de Fleur de Lille. Oh, ma soeur. Soeur. Oh, oh, ton Fleur de Lille. Au moins, mon jouet. Au moins, mon jouet. Tu es la femme. Que quelqu'un ne tente pas avec ma mère. Que ça prend même 10 ans. Je t'éteins. Et c'est ce que tu as fait, mamie. Tu as pris le temps pour éteindre la personne qui a manqué le respect à ta mère. Elle va rester ton Tinda. Parce que tu avais pris le pied. Tu as fait ça. Tu vas voir. Tu vas voir. Je vais te faire. Quel que soit le temps que je vais faire. Je vais te fermer. Je vais te broyer. Tu viens faire la talakou de Fleur de Lille. Et maintenant, tu me fais semblant. Oh, je suis une ambassadrice d'une marque de glutation. Et ton boss. Maman. Et c'est toi qui partage le direct de ton boss. Ton boss va venir prendre ta place. Toi qui es une clasheuse, elle veut devenir une blogueuse. Elle vient derrière toi pour ramasser tes abonnés. Après, elle va te jeter comme une merde compresseur. Comment tu es stupide? Voilà un contrat qu'on appelle le contrat diabolique. Un contrat qui va venir faire ce qu'on appelle éteindre tes lumières que tu as là. Respectez-vous. Les miettes qu'on te donne, tu ne sais pas, tu n'as jamais su te donner, compresseur. Parce que tu étais toujours dans la haine. La haine. On t'a connu par la haine. Moi aussi, là, comme tu me vois, la compresseur, je n'étais jamais aimé. Regarde, qu'on se liait depuis 2014. Depuis, tu me dis, moi, là, quand on parle de toi, là, même quand je parle de toi, là, j'ai envie de cracher. Moi, compresseur, enseignez-vous à les abeilles. J'étais une ancienne abeille, hein. C'est après que quand Fleur de Lille a fuck up, j'ai dit que, oh, mamie, pardon, passe. Passe. Toi aussi, tu déranges. Tu déranges. Tu ne seras jamais une femme valeureuse. Parce que même ta patronne est de la merde totale. Elle s'assoit tous les jours, au lieu de parler de ce produit, c'est le couple, mais sans qu'elle vienne parler. Elle gratte la lumière. Elle sait que les gens, il y a beaucoup de gens qui détestent le couple, mais sans. Jean le médecin, respecte le calme de ta femme là, c'est elle qui fait de toi médecin. Respecte cette femme. Elle a un pouvoir, la maîtrise. Elle a un pouvoir, la maîtrise. Ah oui, comme Amot, c'est les femmes là qui le font. C'est les femmes là qui le font. Jean le médecin, je te dis, c'est ta femme là. Que les gens manquent le respect là. Que les gens cherchent à diminuer là.
elle a la maîtrise en soi. Parce que moi, à sa place, là, ce que j'ai déjà, ce que ma tête a disjoncté, que tout le temps on parle de moi, tout le temps on parle de moi, même si mon mari pas attaqué, tout le temps. Mais par contre, je suis Amot. C'est sa femme qu'on parle tout le temps de lui. C'est de Amot qu'on parle tout le temps. C'est de Amot qu'on attaque. C'est le poser chez vous, mais ça. Mais ça, quand tu vas chercher les problèmes, c'est ta femme qu'on attaque. Mais Amot, je suis dans chez Amot. C'est Amot qui fait les problèmes. Sa femme vient faire les pics dans TikTok. Chaque fois, c'est Amot qu'on attaque. Chaque fois, c'est Amot qu'on attaque. Mais chez toi, mes sangs, c'est toujours ta femme qui est visée. Parce qu'elle a la maîtrise. Elle a quelque chose que certaines femmes n'en ont pas. Et ils envient ça. Voilà pourquoi cette femme-là, Madame Glutasom, est venue. Parce qu'elle a vu le charisme de ta femme. Elle a vu ce qu'on appelle une femme digne. Elle est venue vers ta femme. Elle a vu que la femme en question, c'est une femme qui est posée, qui n'envie personne. Elle est piéton. Mais les gens l'aiment comme ça. Elle n'a pas fait le cours à l'idole. Elle est humaine. Où est ton problème? Je suis véhiculée, je marche à pied là. Ça m'empêche. On vous a dit que la voiture, le permis, c'est un luxe. Le permis, c'est un luxe. Mais sans. Respectez la lumière. Hein. Tu as un éclairage très puissant. Hein. Et je te conseille, toi et ta femme, de faire les concepts des jumeaux. De donner que ta femme crée une marque de ce qu'on appelle complet. Parce que vous avez déjà eu le nom qui est fabricable, le couple des jumelles. Donc quand on parle des jumelles, c'est de fabriquer les vêtements complets. De faire des trucs pour les enfants. Et qu'elle attire les femmes qui ont des jumeaux, de venir parler d'éducation, comment est le quotidien des jumeaux dans leur vie. Vous avez déjà une marque énorme. Le couple des jumelles, ça veut dire que vous avez les jumeaux chez vous. Donc l'éducation des jumeaux, c'est comment? Comment ça se passe dans le quotidien des jumeaux? Madame Essa, fais-toi une marque. Même les marques des enfants de complet. La marque des jumeaux. Parce qu'on vous connaît que tu es Tani. Et tu es Tani, ce n'est pas donné. Qu'elle crée un concept en dehors de glutation. Que ce que les Tani là, qu'elle vient les fermer la bouche. Fais une marque, Madame Essa. Des vêtements des enfants complets. Crée des trucs des jumeaux. Que tu as un concept qui sera attiré par des familles qui ont des jumeaux. Pas des familles qui ont des jumeaux. Ça peut être des vêtements. Ça peut être des doudous. Mais qui va dans le sens des tagnes. Qui va dans le sens des jumeaux. Madame Glutasium, vraiment, hein, l'argent ne fait pas l'homme. Avec ton argent, là, quand tu ouvres ta bouche, on sent que vraiment, vous êtes tous des Nagaboko du Cameroun. C'est sauveurs qui peuvent au Cameroun. Quand tu vois un Camerounais qui dit qu'il a l'argent, dès qu'il ouvre la bouche, tu sais que wow, c'était une ancienne Nagaboko. Elle s'est battue, pam, parce que le Cameroun ferme tout. Parce que le Cameroun est un pays où on ne laisse pas la jeunesse à montrer les savoirs et les créativités. Et c'est dans le Cameroun, c'est la jungle. Et donc, quand quelqu'un sort dans la jungle, dès qu'il ouvre et qu'il réussit à avoir un peu de l'argent, dès qu'il ouvre la bouche, tu sais que mère de la fille, c'est une ancienne Nagaboko. Donc, Madame Glutasium, tu es une ancienne Nagaboko du Cameroun. Nous sommes tous des Nagaboko. Dès que tu ouvres ta bouche, on sent que tu es quelqu'un qui a forcé à être ce que tu es. Parce que tu envies la vie des gens. Quelqu'un qui n'envie pas la vie des gens ne peut pas venir s'asseoir et parler d'un couple matin, midi, soir. Vous vous êtes séparés, c'est fini. Tu as l'argent, c'est pour toi. Pourquoi tout le jour fais le décryptage de la vie quotidienne de messieurs et sœurs? Oh non, nous sommes tous des Nangabouk. Hein? Papa Paul, nous sommes des orphelins. Et quand on est les orphelins, il n'y a pas le père pour l'éducation de ça. Voilà pourquoi nous, on va sauver le Cameroun. Hein? Je suis activiste. Voilà pourquoi nous, on sauve le Cameroun. Pourquoi on n'est plus des orphelins? Pourquoi on n'est plus des Nangaboko? Pourquoi les Camerounais ont peut-être quelqu'un à la tête du Cameroun qui est à notre soin et qui est à notre éducation? Les Nangaboko n'ont pas l'éducation. Et je finis pour vous dire que vous êtes nombreuses. Mais je finis pour vous dire que je suis activiste. Voilà pourquoi nous voulons changer
la gouvernance du Cameroun, pour que le Cameroun a la base. La base, c'est l'éducation. La base, c'est d'avoir une gouvernance qui nous accompagne au quotidien et la formation qui part avec. Pourquoi on n'a plus des Nangaboko qui viennent comme Madame Glutation. Quand elle ouvre sa bouche, tu sens que celle-là, elle vient d'une famille what? D'une famille bidonville qu'elle a forcé à avoir l'argent qu'elle vient sur Facebook. Wo, 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 wo. Tu as vu Muriel Blanche parler? Il y a des gens qui ont des marques et qui ont les ambassadrices. Même si on les attend, ne lance pas les directs pour venir faire le clash. Pardon. Les Nangaboko comme ça là. Je vous laisse, je vais aller travailler. Monsieur Messanger, je suis avec vous. Vous avez fait votre thérapie. Nous tous, on fait des thérapies chez des amis, dans les groupes WhatsApp, parce qu'on ne paye pas de psychologues en France. D'accord? Donc, chacun a le droit de faire sa thérapie. Merci, au revoir. Merci, merci.